Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième épisode de Resident Evil, car j'ai oublié de faire la coupure la dernière fois que j'ai record, donc voilà, c'est la Hello du futur. Donc bah bon épisode à vous. Allez, on y va. Par contre, attendez, Rebecca, tu vas t'équiper de ça, ma chérie. On y va, tonton Billy. Allez, c'est parti. Petite cinématique pour descendre, les amis. Les amis, je n'aime pas ça du tout. Ah les amis, je n'aime pas ça. Mais vraiment, c'est... Viens, Billy. Est-ce que... Oh purée, je suis en attention. je m'en doutais, les amis, c'est horrible. Viens, Billy. On va remonter. Je vais combiner un soin avec un soin. Je vais prendre un soin. Les amis, j'aime pas les araignées. Mais même IRL, je sais que c'est pas la petite doigt qui va manger la grosse. Mais c'est comme ça, c'est phobique. C'est une phobie et c'est comme ça. Enfin, on peut pas... On choisit pas, quoi, vous voyez. Hop. Ah voilà les amis, j'ai réussi à ramasser le soin, on est bon. Du coup, tac. Eh bien Billy, à toi on descend et on va aller voir ce qui se passe en bas. J'espère qu'il va pas y avoir beaucoup d'araignées parce que sinon je vais faire des arrêts cardiaques. Je vous le dis, c'est pas possible. Autant les zombies, vous voyez, ça me perturbe pas, mais alors les araignées, c'est pas possible. J'ai des frissons quand je les vois, c'est horrible. Alors, c'est fermé. Ok. Non, 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 mais on a compris, c'est fermé. Hop. Une porte, les amis. Une porte-fenêtre des familles. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière celle-ci? Donc, des munitions. Oh, plante verte. Ah, il y a un document. Attendez. Alors, attendez. Maison de correction. Liste des prisonniers. Donc, ok, là, c'est la liste des gens-gens. Les individus transférés seront effacés des registres. Donc, ça, c'est juste pour l'histoire, je pense. Rien d'extraordinaire. Ah, on peut sauvegarder ici. Let's split up. Roger. Alors, les amis. Prends les rubans, Ruby. Ruby. Billy. Come on. Roger. Eh bien, suis-moi, cocotte. Alors, qu'est-ce qui se trame derrière cette porte? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah, cinématique. Ok, donc il faut qu'on passe là-haut? Un grand conduit d'aération. Rebecca pourrait sans doute l'atteindre en se mettant debout sur les épaules de Billy. Aider Rebecca à monter. Bah oui. J'y suis presque. Bien, ravi d'avoir pu vous servir. Il est temps d'entrer. Ok, Rebecca est de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se tramer? Hello, bonjour les gens. Bon, qu'est-ce qui se passe les gens? C'est quoi cette tête? Ah, une salle de torture? Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ces gens. Attendez, mince. Ah, elle a plus de mun en plus sur celui-là, mince. J'aurais dû faire gaffe à ça, les amis. Ah, c'est quoi ça? Il y a une note, attendez. On va essayer de prendre la note. Alors voilà, c'est bon, on l'a ramassé. Régulateur électrique. En raison des derniers orages, un régulateur électrique est toujours hors service. Ce ne serait pas vraiment problématique si l'équipe de la salle de la chaudière n'était pas sur le même réseau. Ok.
L'équipement est si endommagé que je vais probablement devoir le réparer régulièrement. Pour sortir rapidement, réglez l'indicateur sur 70. Vérifiez d'abord que tout est connecté à la chaîne. Ok. Donc il va falloir qu'on fasse un truc. Donc par là, il n'y a rien, c'est de là d'où on est descendu. Mais comment on va faire pour aller voir Billy? Attendez, il y a une porte là. C'est fermé. Ok, moi bien. Alors, on est coincé, les amis. Ah, panneau du générateur électrique. Ce panneau a l'air de contrôler la tension électrique de la pièce. Donc, c'est peut-être le régulateur? Ouais. Activer le premier interrupteur. Ouais, vers le haut. Ça augmente de 60, de 30 à peu près, on va dire. Le deuxième vers le haut aussi. Ça augmente de 10. Le troisième vers le haut. Il augmente de 40. Le quatrième. Donc il augmente aussi. Donc on va annuler. Donc le quatrième, on ne sait pas si c'est 10 ou plus du coup. Donc on va annuler. On va recommencer. Oui, on sait, on sait, on sait. On veut accéder. Donc le premier, on va l'activer. Il augmente de 30. Le deuxième, on va l'activer. Ouais, il augmente de 10. Le troisième, par contre, on va le mettre vers le bas. Et du coup, si on le met vers le bas, il nous descend. Ah, d'accord, il nous fait l'effet inverse. Donc, ok. Le quatrième, on va le mettre vers le haut. Il n'augmente que de 10. Il faut qu'on aille jusqu'à 70. Ah oui, vers le haut aussi. Ah, nice. Oh, bah, ça va, ça n'a pas été bien compliqué, les amis. Alors, ça va nous rétablir le courant. Donc, ça a ouvert cette porte. La porte qui était tout au début, ok. Et ensuite, ça a éteint la chaudière, ok. Ok. Ah, cinématique. Vous perdez votre temps. Je me suis déjà approprié cet endroit, ce qui signifie que vous êtes sur ma propriété. Or, je hais les intrus. Wow, c'est quoi? Ah oui, je me rappelle. Voilà nos prochains ennemis, les amis, des singes mutants. C'est magnifique. Magnifique, ma chérie. Et allez, elle se fait bouffer, tout va bien. Et c'est une cinématique, on ne peut rien faire, les amis. On peut que juste subir et regarder ce qui se passe. Rebecca, mon chou. C'est insensé! Tu crois sincèrement que c'est la vraie identité de ce jeune fou? C'est impossible. Mais si c'est vrai, c'est la fin d'Umbrella. Si le complot dont a été victime le docteur Marcus est révélé, la carrière de Monsieur Spencer est terminée. Sans parler de la nôtre. L'heure a enfin sonné. Que vas-tu faire? Je vais tout simplement dire au revoir à Umbrella. L'arme biologique dérivée du virus T est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à recueillir les données de combat. Tu plaisantes? Je refuse d'abandonner mon travail. J'ai fini mes recherches sur le virus T, mais j'ai encore un peu de temps pour mettre au point le virus G qui sera plus virulent. Oh là 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 là, mais t'es un psychopathe, mec! Fais comme bon te semble. Je m'en tiendrai à mon plan initial, attirer les membres du Stars dans le manoir. Leur entraînement spécial au combat fait d'eux des cobayes de choix. Donc c'est... Il a fait exprès d'envoyer ses collègues! Bien! En attendant, il faut s'occuper de ce fou. Dans le 1, il a fait exprès d'envoyer son équipe. Je crois qu'il y a un système d'autodestruction au sous-sol du centre. Je vais tenter de le trouver et de l'actionner afin de réduire cet endroit en cendres. J'ai l'impression qu'ils vont pas trop bien s'entendre les deux. Et Rebecca est en train de tomber, il va falloir qu'on la sorte de là. Je ne vais pas tenir longtemps. Alors les amis, ça fait plus de 30 minutes qu'on record, donc il va falloir que je... Ok, il va falloir qu'on sauve Rebecca, mais ça va pas être dans cet épisode, les amis. Je vais retourner en arrière, on va sauvegarder, et au prochain épisode, on sauvera Rebecca, parce que clairement, sinon, ça va faire un épisode beaucoup trop long, et c'est pas ce que je souhaite. Mais on en apprend de plus en plus, c'est vraiment bien.
Ok, donc lui, il est out. Hop. Rebecca a besoin d'aide. Mais on peut pas sauvegarder? Ok, donc je peux pas sauvegarder, les amis. Je suis obligée de continuer. Bah écoutez, c'est pas grave. On va le faire, hein. L'épisode durera un peu plus longtemps. Ou je le couperai. Bah, je le couperai là, les amis, l'épisode. Donc voilà. Oh, les amis, on se retrouve pour l'épisode 6. Donc du coup, j'ai fait une coupure en plein milieu. Je n'ai pas pu sauvegarder. Il faut qu'on aille sauver Rebecca, qui est coincée. Donc il faut qu'on passe là où il y a la chaufferie, je pense. Et voilà quoi. On est avec Monsieur Tonton Billy. Donc il va falloir faire avec. Et on va voir tout simplement comment ça va se passer. Allez, hop. Donc la chaufferie, il faut qu'on passe par là. Ouais. Faut qu'on passe par là, les amis. Hop, c'est parti. C'est parti. On y va. Donc, les zombies, on les avait tués. Donc, il n'y a plus que celui-là, là. Je m'attendais à ce que tu te relèves. Fumier. Wouh! Allez, les amis, on y croit. On va y arriver. Le monde est beau, le monde est joli. Et ça va le faire. Tac. Donc, la chaudière, c'est par là. Okay. Ouais, il y a les plantes, on va les laisser là pour l'instant. Il y a même d'autres plantes ici. J'arrive, Rebecca, j'arrive, mon chou, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas derrière, les amis? Qu'est-ce qui va se passer? Hop, allez, on y va, on y go, les amis. Oh, punaise. Rebecca, est-ce que t'es là-bas? Hop! On rentre, les amis, on rentre. On cherche pas à comprendre, on rentre. Direct, on rentre. Cinématique! Rebecca! Oh, j'adore comment il dit Rebecca, les amis. Je sais pas, je kiffe, c'est trop marrant. Tenez bon, je vais vous hisser. Merci. De rien. Je n'ai fait que tenir parole. Nous avions décidé de faire équipe. Pas vrai? Ah. Takiwake. Ici Rebecca, à vous. Rebecca, ici Enrico. As-tu retrouvé la trace de Cohen? Oh oh, moment d'hésitation. Rebecca, réponds-moi. Négatif, monsieur. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je vais poursuivre mes recherches. Terminé. Oh oh. Rebecca. C'est ma première mission et j'ai désobéi déjà aux ordres. Ma carrière commence mal. Qu'importe. Je ne vivrai probablement pas assez longtemps. Billy, il faut que je sache. Il faut que je sache la vérité. Avez-vous vraiment tué 23 personnes? Je ne veux pas vous juger. Je veux seulement savoir la vérité. Oh, c'était il y a environ un an. Flashback de Billy. Notre unité avait été envoyée en Afrique pour endiguer une guerre civile. Pardon, je vois pas. Notre mission consistait à attaquer les guérillos dans le camp se situant en pleine jungle. C'est quoi ce bazar? Mais leur premier repère était loin de notre premier point d'insertion. Certains hommes n'ont pas résisté à la chaleur. D'autres ont été tués par l'ennemi. Oh mon dieu. Au final, seuls 4 d'entre nous ont survécu. Wow. Mais il n'y avait pas de repère de guérillos. Comment ça? Les imbéciles en charge de l'opération nous ont filé des infos bidons. Et on ne pouvait pas non plus rentrer les mains vides. Alors on a reçu l'ordre d'attaquer le village. Oh purée. Oh mon dieu, les amis, c'est horrible. Débarrassez-vous d'eux. Tuez-les tous. Je vous en prie, monsieur. Cessez le feu immédiatement. La ferme. Oh purée. Thank you.
Exécution, allez. Non, ne faites pas ça, arrêtez. Alors, vous avez exécuté ces innocents. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est du passé maintenant. Et vous aviez promis de ne pas me juger. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais tout ceci a une importance. Mes supérieurs pensent que vous avez tué ces militaires dans ce fourgon, mais pas moi. C'était les chiens zombies, pas vrai, quand ils ont attaqué le fourgon. Vous avez réussi à vous échapper. N'est-ce pas? Vous ne comprenez pas. Je n'ai que deux options. Soit je me présente aux Marines pour être exécuté, soit je reste en cavale aussi longtemps que possible. C'est tout. Wow, les amis! Ça craint. Ça craint l'histoire, là. Ça craint. Alors, on va sauvegarder. Comme on n'a pas sauvegardé depuis un petit moment, les amis. Et voilà, on va continuer un peu l'aventure, voir ce qui se trame là-dedans. Donc, on sauvegarde ici. Yes, on sauvegarde avec Monsieur Billy, comme d'habitude. Tombe dans la logique. Donc, il est mort? Pampan, t'es mort? Ah, j'ai pu... combiné, les amis. Et là, Hello qui flic, qui panique... Bah, il était pas en train de saigner, mais visiblement, il était mort. Bon, écoutez, je comprends pas tout. Est-ce qu'on les a tous tués cette fois ou pas? Les petits singes, là. Alors, 6 âmes emprisonnées par la chaîne de la mort. Raviver la flamme de la vie dans l'esprit des faibles. Ok, donc il y a ça, derrière. Mon règne est total. Aucune créature ne peut m'échapper. Donc, un tigre. Ici, ça a l'air d'être un loup. Ma vivacité d'esprit vient à bout des bêtes les plus féroces. Ok. Attendez, un cheval, j'ai l'impression. La plus rusée des créatures ne peut rivaliser avec ma rapidité et ma souplesse. Attendez là. Ah, c'est là. Hop. Alors, je danse dans les airs et je capture mes proies. Ok. Là, ça a l'air d'être un cerf. Debout de toute ma hauteur, j'arbore fièrement mes cornes. Ouais, c'est bien ça. Ça, ça a l'air d'être un serpent. Je m'approche de mes victimes à pas de loup et je vais y arriver, le plus puissant des rois avec mon poison. Donc, en gros, il peut venir à bout d'un lion. Pour moi, donc du tigre. Donc, si on prend un peu... Le loup, il peut se faire rattraper par le cheval, parce que le cheval sera plus rapide. Le cheval, lui, peut se faire manger par le tigre. Le tigre, il peut être attaqué par le serpent et mourir par le poison. Ensuite, le serpent, bah, il se fait attaquer par l'aigle et il se fait manger. Donc en premier, ça serait le cerf, du coup, parce que ça serait lui le moins puissant, je pense, de tous. Donc, c'est parti. On va utiliser le briquet. Donc, on prend le cerf en premier. Après, j'ai dit le loup, du coup. Alors, le loup. T'es où, le loup? Ah, il est là, le loup. Le loup. Hop. On utilise ça, les amis. Donc, on est good. Après, j'ai dit qu'il se faisait terrasser par le cheval, parce que le cheval est quand même rapide et peut le piétiner, à mon sens. Le cheval, il se fait rattraper par le tigre. Parce qu'il sera toujours plus rapide que lui. Utiliser. Ensuite, le tigre se fait attaquer par le fucking serpent. Et le serpent se fait attaquer par l'aigle. Je pense que ça, c'est valide, les amis. Et je capture mes proies. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai appuyé sur F d'ouvrir mon inventaire, tout va bien. Comme d'habitude. Yes! On a réussi, les amis. Donc, on va aller explorer ça. C'est parti. On y va. Attendez d'abord. Hop.
Rebecca, on va combiner ça avec ça. Et tu vas t'équiper de ça. Non, équiper, pardon. On reprend mon petit Billy. Et Billy, il a quasi plus rien. Il va falloir que j'aille reprendre son flingue. Je pense. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe dans les salles qui sont là. Et après, on va retourner dans le hall chercher le fusil de Billy que j'avais laissé dans l'entrée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a quelque chose qui brille là. C'est une cheminée apparemment. Elle est en fonction purement décor, en fonction purement décorative, pardon. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux l'item qui est là, en bas, s'il vous plaît. Yes, c'est bon les amis. Plaque d'unité. Donc ça, c'est les emblèmes de d'Umbrella. Donc ici, on a des petites bouteilles. Est-ce que je m'embête avec ça, franchement? Non, pas du tout. Il n'y a rien d'autre? Non, apparemment, il n'y a rien d'autre. Donc c'est parti, on ressort de là, les amis. Et on va aller voir ce qui se trame ailleurs. C'est bon? On a fini? Pampan t'es mort? Pampan t'es mort. Alors. Je sais, je suis dingue. Alors, un autre papier. Journal du stagiaire en gestion. Sur quoi le directeur Marcus travaille-t-il tout le temps et pourquoi s'intéresse-t-il tant au sensu? S'intéresse. On dirait qu'il en est parfois amoureux. Selon certaines rumeurs, ces sangsues seraient dangereuses. C'est vrai que le jour où Denis en a touché une, il a attrapé la fièvre. Aujourd'hui encore, il y a ces horribles grognements derrière la porte. L'eau qui dort, je ne m'en approcherai pas, même si le directeur me demandait, je ne veux pas finir comme Denis. Pauvre gars, il se gratte tout le temps, rien qu'à le voir, ça me démange. Dois peut-être partir si je ne peux... Si je peux, mais comment? Denis parti, je pars fin. Ouais, t'écris très mal. Au secours, maman. Ok. Bon, ça a fait un peu peur. Déjà que des fois, j'ai un peu de mal à lire parce que j'essaie d'aller trop vite. Mais alors là, l'écriture, c'était pas ouf, hein. Les livres sont ouverts sur le bureau. Ils n'ont rien de spécial. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux récupérer les rubans. Qu'est-ce qui traîne dans cette pièce? Y a rien d'autre? C'était juste pour le papier et les rubans? Ok, bon, on fait demi-tour. On va retourner. Ah oui, à l'entrée, il y a la porte qui s'est déverrouillée. Faut qu'on aille voir là-bas. Avant d'acheter le petit fusil pour Billy. Ouais, faut qu'on fasse ça, les amis. Alors, c'est parti. Ouais, par là, par là, par là, par là. Viens, Rebecca. On va aller chercher mon petit fusil, histoire que j'ai un truc un peu. Parce que là, on va être en. Une galère de munitions pour le fusil, donc ça va être un petit peu casse-pied. Donc c'est parti, on va là-bas. Attendez, qu'est-ce qu'il y a dans mon inventaire? Donc j'ai pas de soin. Rebecca a une plante au cas où on est empoisonné au moins. Ouais, allez, c'est parti. C'est Rebecca que je manipule, mais c'est pas grave. De toute façon, l'un ou l'autre, c'est pareil. Hop. Enfin, pareil. Entre guillemets. Allez, c'est parti. On passe par là, les amis. I'll go. Yeah. Non. Let's go. Okay. Voilà, comme Billy doit récupérer son fusil, on va prendre Billy, Billy, les amis. Hop. Allez, c'est parti, les amis. Tac. Il nous reste plus beaucoup de temps, je pense, avant que l'épisode se termine. Alors, mon fusil, normalement, je l'ai laissé. Mon fusil, mon petit pistolet, je l'ai laissé là. Voilà. Yes! Direct, le premier coup, les amis. Hop! Du coup, on va s'équiper de lui, vous savez quoi. Et on va laisser ça au sol, ici. Voilà. Eh bien, Rebecca, on va y voir dans la petite salle. Ce qui se passe, et s'il faut, on switchera d'armes si c'est vraiment des ennemis hyper puissants et tout. Hop.
Alors, ça avait déverrouillé ici. Qu'est-ce que ça avait déverrouillé d'autre, les amis? Je sais plus. Mince, ça avait déverrouillé la porte où Billy a eu accès. Il n'y a rien ici? Mais... Waouh! C'est un peu what the fuck, les gens. Est-ce que je prends les munitions pour Billy ou pas? Ah, j'ai bien envie quand même, les amis. Hein. Allez, vous savez quoi? On prend les munitions. Voilà. Donc, comme ça, Billy a pas mal de munitions. Rebecca en a également. Voilà, on est bon. Donc, il faut qu'on aille continuer à explorer dehors. Parce qu'on n'avait pas tout exploré, je crois, là où il y avait les petits singes. Je crois que c'est ça. On n'a pas fait ça. Allez, Billy. Hop, on y va, les amis. Non mais... Je me suis foiré de porte. J'espère qu'elle m'a suivi parce que là on est mal. Non. Mais... Mais non! Mais... Non, non, non. C'est bon? Wouah, les amis, j'ai clairement mal joué là, c'était horrible. Donc Rebecca a besoin d'être soignée. J'aurais pas dû passer là, je sais pas où il fallait que je passe, je ne sais plus. Ah punaise, j'ai fait du caca, mais les amis, mais complet. Elle est carrément en danger. C'est pas vrai, mais les amis, comment je peux être aussi nulle? C'est pas possible. This way. Okay. Non. Let's split up. Tu restes Roger. Là. Par contre, lui... Ah, mission pour fusil. Je les avais pas vus. Je vais chercher un sang pour Rebecca, vous savez quoi? Maintenant que je me suis foiré comme une quiche, voilà, il faut assumer les conneries. Donc on combine ça avec ça. Et on y va avec tonton Billy. Attendez, 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 attendez. Je me trompe de porte ou pas? Je sais plus. Non. Ah purée, c'est horrible de se tromper de porte, les gens. C'est horrible. Je n'ai aucun sens de l'orientation, c'est un pur carnage. Alors, on va chercher le soin. Normalement, il y a des plantes là pour ma petite Rebecca chérie. Elle n'a qu'une. Écoutez, je vais la prendre. Petit blindé avec mes munitions. Fuck it. Alors... Allez, prends la plante. Yes. Elle sera pas soignée à fond, mais au moins elle sera un petit peu soignée, histoire que l'on puisse continuer, les amis. On va retourner dans le hall, probablement. Je pense. On peut faire ça. Ah, je me suis trompée de porte, mais c'est horrible de ne pas avoir de sens d'orientation. C'est vraiment horrible, les gens. Alors, échanger ça, prendre ça, et utiliser. Voilà, je suis en attention, mais au moins je risque pas de mourir si on me touche. Follow me. Viens, okay. Billy, on va aller dans le hall. Et dans le hall, on va tout simplement
Bah, prendre ensemble Rebecca et on va sauvegarder, je pense, ici. Ouais, je pense. On n'a pas tout exploré là-bas en bas, je crois. Il y a des portes qu'on n'a pas regardées, mais écoutez, on verra ça plus tard. Tac, tac, tac. Allez, prends ça. Yes, un soin, les amis. Ah, par contre, là, c'est... Attendez. Est-ce qu'on n'a pas un mélange ou... Ouais, il est blindé. J'en ai marre d'être toujours blindé, les amis. Parce qu'en vrai, j'aurais bien voulu combiner les plantes. Alors, les amis, j'ai combiné mes plantes. Je viens de récupérer mes grenades que j'ai dû poser au sol. Wow, on est pas trop mal, je pense. Billy, Billy, Billy. Il est en hockey, lui. Tout va bien. Je crois que... ouais, on va prendre le soin qu'on a là au sol. Histoire d'en avoir toujours un sur nous parce que, ouais, à mon avis, Hello Fail va être là. Donc, Billy va sauvegarder. On va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Donc, il durera peut-être moins de 30 minutes, mais c'est pas grave. Donc, on enregistre les données et on verra la prochaine fois. La prochaine fois, on va arriver vers le moment où j'ai pas réussi à gérer la dernière fois. Donc, j'espère que ça ira mieux. Donc, on sauvegarde le contenu. Voilà, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure, les amis. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bye à tous.